Tout a commencé il y a 5 ans. Pour eux, j'étais allé trop loin. Je ne te dis pas d'arrêter de m'aider. Mais réfléchis 2 secondes à ton action. La secte n'a pas sévi en ville depuis plus de 4 ans et j'ai pas envie que ça recommence. Sans armes, je suis vulnérable. Contre qui? Ça va surtout t'éviter de chercher des ennuis. Donne-moi ton arme. Vous croyez vraiment qu'il va changer à lui tout seul l'ordre des choses et qu'ils le laisseront faire? Et tu veux que je fasse quoi? Que je reste là à rien faire pendant qu'il tue mes proches un à un avant qu'ils viennent me chercher? Le 8 est voué à la mort, et ça depuis l'affaire des disparus. Tu ne vois pas que tu n'as aucune chance face à eux? Es-tu inconscient à ce point? Il arrive un moment dans sa vie où on ne peut plus croire au hasard. Toute action déclenche des réactions en chaîne que personne ne peut arrêter, mais que l'on peut tourner à son avantage.